Salut à tous, c'est Anonymat et on se retrouve donc sur Raider Z donc pour une émission de Free to Play. Donc Raider Z c'est un MMORPG sorti je crois il y a pas longtemps, alors il y a longtemps, je sais plus. J'ai reçu un mail l'autre jour donc je me suis dit c'était intéressant, surtout qu'il y a beaucoup de jeux en Z en ce moment, genre DZ, WarZ, Raider Z, voilà. Ça m'a intéressé, je suis allé sur le site, j'ai regardé, il y avait un dragon, ça m'a intéressé. Et donc c'est un MMORPG que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je me suis fait un petit compte, tout ça. Je vais vous le présenter un petit peu. Hein. Vous verrez pas, je vais vous montrer un peu l'interface. Je vais vous montrer. Moi. Bon, là, c'est pas en très bonne qualité. Je vais régler comme ça. Hein. Ah si, ça va, ça s'est bien actualisé, donc voilà, c'est à peu près moi. Donc new delete, je peux faire une nouvelle partie, donc on va prendre lui, et je vous laisserai découvrir le début du jeu. Donc je vais essayer de parler un peu fort pour qu'on m'entende sur cette musique. Donc voilà. Je tourne cette vidéo juste après le exclus Steam que je viens de faire sur Death Rally. Hein. Je sais pas dans quel ordre je vais les poster, mais on verra bien. Hop. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, dans la vidéo qui viendra après, on n'a pas trop fait de vidéo en ce moment. Les vacances, Dark Moon a été puni, si je crois bien. Moi, un petit peu aussi, peut-être quelques conneries, mais bon, c'est l'adolescence, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, hein, c'est dur quand même de prendre du recul, mais bon, pas de problème. Ah, ok, j'espère que vous avez pas vu ce qui est apparu, normalement je ne crois pas, Fraps doit faire la dissociation. La dissociation, ouais. J'ai dû me tromper sur ce mot. Non, dissociation, ouais, je sais plus. Bon alors, on va essayer de faire une quête ou deux, hein, rien de long, très long. Hein. Je vais vous montrer les touches à peu près, le stuff, tout ça, les inventaires, le caractère, les améliorations, tout ça, tout ça. On va essayer de gagner un niveau. En faisant quelques quêtes. Voilà. Donc j'aime bien ce genre, hein. J'aime bien les RPG, donc j'aime bien les MMORPG. Donc tout ce qui est dans le truc. On vous fera prochainement, très prochainement, dès que. Alors, attendez, alors, je lag un peu. Oui, je tourne à 15 FPS là. Donc, on va sortir de cette zone. En fait, j'étais allé me balader, sauf que, bah, je suis allé dans une zone où il fallait pas. Tout simplement parce que c'était pas de mon niveau. Dès qu'on sera en zone sûre, je vous ferai la présentation. En plus, comme il pleut là, ça tourne un peu moins bien. Je crois que je vais vous faire une coupure et on se retrouvera dans la ville. Ce sera un peu mieux pour vous. Bon, on se reprend là parce que j'en avais un peu marre. donc j'ai fait pas mal de chemin quand même. Voilà. Et en fait, je voulais m'attaquer à une quête que je n'avais pas réussi avant. On va la tester quand même, hein. Maintenant je suis un peu mieux stuffé. Je vais voir, hein. Si au bout de 3 morts ça marche pas. Alors attendez, je vais juste donc vous présenter un peu les trucs de combat. Donc, clic gauche, vous bourrinez votre bouton et ça fait les attaques. Alors par contre, excusez-moi, mais je vais baisser la qualité, je suis désolé. Parce que j'ai une mauvaise connexion de 1 et de 2. Ok, on va essayer comme ça. Est-ce que je lag moins? Donc j'ai une mauvaise connexion. Bien qu'on ait changé la box il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que, entre autres, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Et que j'ai pas un super ordi, donc voilà. Bon, on va mettre pourri la qualité des textures, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Ça va laguer un petit peu, hein, je vous préviens. On va faire cette petite quête, enfin cette grosse quête plutôt. Goodbye. Donc, il fallait, alors je vois pas, l'objectif est devant moi. To what do I owe the pleasure? Bon, je vais essayer. Alors, c'est un boss, hein. Comme ça, je vous présente un peu le bordel, mais
Normalement, je suis pas assez puissant, je vous préviens tout de suite. Hein. Donc, j'ai touche à m'assigner, donc 1, 2, 3, 4, 5, pour faire des attaques spéciales, donc, par exemple la 3. J'ai lamentablement raté. Donc, double clic sur les boutons pour faire des sortes d'esquives. Donc, oui, des esquives, vraiment. Voilà, hop. Tac, oh, finalement, je m'en sors mieux en fait. Donc, vite. Donc, dès qu'il vient un peu rouge en quelque sorte, il faut l'éviter. Voilà, on va lui faire une attaque. Tac, esquive. Oh non, esquive. Aïe. Il m'a enlevé pas mal de points, vous voyez mes points de bien haut. Aïe. Donc, ça, c'est ma collection, même si j'esquive, des fois, il peut m'avoir. Là, je vois rien du tout. Ça raté, ok. Là, faut éviter parce que ça nous enlève 300 de dégâts. C'est comme ça, hein. Ok. Éviter. Ok. On va faire tourner un bourrec un petit peu le temps que je reprenne de l'endurance qui est la barre jaune. Ok, et dans ta gueule. Il est temps d'avoir un peu de. À mon avis, alors il y a une attaque que j'aimerais faire, mais je crois qu'il faut mon endurance complète. On va bien voir. Est-ce que c'est ça qu'il faut? Je le fais exprès. Non, alors c'est pas ça. Je vais faire un truc. Là, et là. Mauvais moment. D'accord. Bon, je vais enlever des dégâts, mais. Enfin, parce que j'ai. Mais quand même, en fait, wow, beaucoup de dégâts. T'écarte, dodge. Alors, l'inventaire, truffé de conneries, je vais essayer de trouver une petite potion. Voilà, et de me barrer en vitesse. Non, je vais éviter. Pour rien. Je suis sûrement. Non. Tromper de bouton, hein, ça arrive. Bon, normalement, on fait cette quête à plusieurs, hein, donc on est plusieurs personnes. Je vais un peu les techniques. Donc, je vais mourir. Alors, ce que je vais faire, c'est que pas loin de ça. Je vais résurrecter. Voilà, je vais quitter l'instance pour vous montrer à peu près le reste, hein, parce que. Quand on meurt, bien sûr, on perd notre équipement est de plus en plus cassé, et puis on meurt, bien sûr. Et donc, finalement, après, alors, Resurrect. Alors, on va prendre la résurrection. Oui, ma souris. La résurrection, c'est là. L'autre, en fait, c'est pour résurrection. Marche pas. Ok, d'accord. Bon, je vais utiliser celle que je voulais pas. Mais je suis quand même mort. Ok, what the fuck. Je suis en mode fatigue là, peut-être, non? Extrême fatigue, c'est ça? C'est chelou ça. Allez, ravis-toi, Georges. Pourquoi Georges, je ne sais pas. Tu veux pas? Moi, je veux que tu te réveilles, hein. En plus, il reste 5 secondes si c'est bien ce que je pense. Vous voyez en haut à gauche. Ok, c'était pas ça. Les gens, ils doivent se demander ce qui se passe. Hello. Bon, je crois qu'il m'a demandé quelque chose. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de canal, je crois. Non, je peux pas. Pourquoi elle réapparaît pas moi? Je crois qu'il y a eu un beau bug, je sais pas ce que j'ai fait, j'aurais pas dû quitter avant d'avoir résurrect. Bon, je vous reprends quand le problème est passé. Et donc après ce fail monumental digne d'un animate, donc on se retrouve, hein, on va faire une autre quête. Donc j'avais ça à faire. On va faire la guide, le truc de l'explorateur.
Alors pour ça, alors pour faire la quête du guide là, donc il faut ramasser des fleurs, je crois. Hein, c'est assez bizarre. Tiens, on va se faire le loup là, juste pour me remettre dans le bain. Pour voir si j'ai une bonne connexion. C'est si pitoyable que ça, ma connexion. Vous me direz, la vidéo de 1.4.3, j'ai mis 3 jours à l'upload. Hein. On va dire, je crois, presque une heure. Mais bon. Bon. Alors, il faut que je retrouve des fleurs à creuser, genre celle qui est là-bas, vous voyez? Bon, elle se démarque un peu de l'environnement. Voilà. Et on va en trouver deux. J'avais entamé beaucoup la quête pour mon aventure. Je vais vous montrer aussi le premier lieu donc où vous êtes pour commencer l'aventure. Bon, bien sûr, les mobs qu'il va y avoir dans cette zone, je vais les honner parce que... Bah, je sais plus... Genre, je veux dire, j'ai plus leur niveau. Hein. Maintenant, je suis un peu plus fort. Donc, je suis niveau 12. En faisant T, vous pouvez voir vos compétences. Donc, à chaque fois que vous débloquez donc une compétence... Enfin, un niveau, vous avez un point de compétence. Alors, est-ce que ces bestioles sont méchantes? Je sais pas. Plus bas. Donc est-ce qu'il y a une espèce d'autre fleur que... Ah oui, là-bas il y en a une. Ah ben, c'est bon ça. Donc en faisant mage, ou enfin moi j'ai choisi mage, vous pouvez faire des roulades. Vous pouvez aller changer votre équipement, faire des armes, tout ça. De toute façon, il y a plein de quêtes qui vous rapportent en plus de l'XP et qui vous expliquent comment jouer au jeu. Donc c'est assez bien fait, hein, on s'habitue vite. Bien que ce soit un peu addictif. Hein, Donc alors on va se rendre vers la fin de quête. Je vais essayer d'acheter un Moa pour voyager plus vite. Et puis pour vous montrer à peu près les zones que j'ai découvertes. Donc pratiquement pas, hein, vu que j'ai comment je suis à peine niveau 12. Donc voilà. J'arrive pas à m'en débarrasser. Hein. S'il y a une astuce, j'aimerais bien la connaître. Parce que c'est juste. Ça doit être juste le truc que je dis le plus souvent en vidéo. Donc voilà. Enfin, ce que je viens de dire. Là, on voit des... Donc il y a 4 classes différentes. Hein. Moi j'ai pris Berserker parce que dans les jeux vidéo j'ai l'habitude d'être bourrin. Par exemple dans un jeu enfin un FPS, vous me dites fusée à pompe et M249, je suis content par exemple. Des trucs comme ça. Hein. Donc voilà. Alors attendez, juste une question, c'est est-ce que je me dirige vers la bonne direction? Est-ce que je suis pas en train de me planter complètement? Alors vous savez quoi, je vais faire peut-être une coupure. Donc on va voir la map. Donc voilà, ça c'est la map de là où je suis. Hein, et là c'est la map complète. Enfin je crois. Donc il y a pas mal de trucs et on commence à Broken Mast ici. Alors moi je vais aller ici pour la simple et bonne raison que c'est là qu'ils vendent les Moa, enfin où je sais qu'ils en vendent, donc on va y aller. De toute façon je crois que c'est là-bas que je dois aller. Bon, ça tombe bien. Et donc, on va y aller. Tiens, je peux discuter un peu de la chaîne, tout ça. Ce que je fais d'habitude dans les trajets, hein, dans les jeux. De quoi on pourrait parler? Ah oui, alors, j'ai un remix à uploader. Minecraft, hein. Je vous dirai ce que vous pensez. Alors, par contre, si vous avez envie de commenter, hein, n'hésitez pas. Je m'en fous à la rigueur des pouces verts ou des... Non, les abonnés, j'aime bien quand vous abonnez, c'est sûr. Mais j'aime bien savoir ce que les gens pensent. Voilà, c'est un truc, voilà. J'aime bien savoir ce que les gens pensent. C'est important quand même, parce que je sais pas, enfin c'est, comment dire, vous avez une certaine, il y a une certaine interaction, où je peux vous répondre, d'accord, comme ça, même si je suis pas connu. Hein. On s'en fout. J'aime bien faire ça, peut-être un jour il y a des gens qui me déconvergent, ce sera trop tard. Alors, ce qu'on va faire, donc là, c'est... Il y a un marchand.
On va faire réparer notre équipement. Alors, est-ce que c'est elle? Non, c'est pas elle. Enfin, là, je vais parler au gamin, la rigueur. Alors, est-ce que c'est à lui le marchand? Voilà. Donc, on va faire repair. Et repair hall, hein, ça coûte pas très cher. Voilà, je me suis assis. Hein, possibilité de s'asseoir. Je sais pas ce que ça fait comme dans Zelda Skyward Sword. Quand on s'assoit, ça nous importe. Donc, voilà un mois. Un mois. Voilà. Vous pouvez faire la blague pourrie dans les commentaires si vous voulez. À moi. Donc plusieurs mois, je crois qu'il est possible d'en crafter en quelque sorte, même si je ne retrouve plus le marchand que j'avais vu à la base pour faire ça. Donc on fera ça une autre fois. Donc ça c'est les espèces de portails qui mènent d'une zone à l'autre. Hein. Et là on va aller dans Ingen, Winden, je sais plus comment ça se prononce. Donc qui est en fait la principale ville que vous voyez, enfin c'est la première ville que vous voyez en quelque sorte. Enfin c'est la ville. Moi j'en ai pas vu d'autres pour l'instant, j'imagine que c'est pas la dernière, mais que je commence à quelque chose le jeu, mais voilà. Bon, en général je fais par session, je voyais les stats, je fais, si vous faites des bonnes sessions, vous faites 100, vous faites une dizaine de quêtes accomplies, 100 monstres butés, des trucs comme ça, les épiques monstres une fois, des fois, je sais pas, ça dépend. Puis après vous pouvez les enchaîner, les épiques monstres. Comme ça, voilà. Puis vous pouvez vous faire des potes, comme ça vous y allez avec des potes. Et vous pouvez buter les trucs plus facilement tout en ayant les mêmes loot. Donc c'est très avantageux. Hein. Dans ce jeu, j'ai jamais trop fait gaffe à l'argent, la gestion d'argent, vu que je fais pas souvent d'achat. Si quand je vois que mon équipement est useless, là c'est sûr. Je fais un petit achat. Donc on va rentrer dans la ville avec la petite musique. Ingen, donc j'avais raison, Ingen Freedom Guard. Vous verrez des gens aussi. Ah, attendez, j'ai une quête à rendre. Oula, ça lag. J'ai une quête à rendre. Est-ce que ce serait le truc de l'aventurier? Non, attendez, ça m'intéresse. Oula, je vous préviens, ça lag. Voilà, en balai volant, hein, donc je sais pas comment on fait. Mais il y a plusieurs trucs de déplacement. Bon, c'est pas très fluide, hein. Ouais, je tourne à 7 FPS, hein, donc c'est pas très joli. On va aller. Are you done yet? Alors, hop, j'ai fini ce que tu m'as dit. Quest completed. Tac, 2000 d'XP, un nouveau bouquin et une nouvelle quête. Bon, je vais pas la faire. Enfin, je vais la prendre. Hold on a second. Hop. View quest détail. Pour 4030 d'XP, hein, quand même. C'est sympathique ça. Bon, à la rigueur, on pourrait faire ça. Faut faire quoi? Faut faire la même chose 20 fois. J'ai envie de cueillir des fleurs toute la journée, moi. Oh, ça lag. Je vais baisser la qualité. La qualité. Vidéo. Voilà, j'ai tout enlevé là. Hop. Oula. J'ai pas l'impression que ça tourne mieux. Ouais, je suis toujours à 7 FPS, hein. Attendez, je vais couper. Donc je vous reprends le temps que ma framerate remonte un peu, même si avec Fraps, je lag quand même. Donc, je suis toujours... Enfin, je viens de sortir à peu près de la ville. Ah, et je crois que j'ai retrouvé le vendeur de moi. Non, le crafter, non. Est-ce que je peux te parler, toi? Le puis-je? I want a raid. Ok, d'accord. Donc pour un Moa, il me faut de la glittering powder. Ce que je n'ai pas. Et que j'aurai apparemment plus tard, hein, en se combattant contre des trucs niveau 13, niveau machin. Effectivement. Donc c'est pas bon maintenant, hein, de crafter un truc. Alors qu'est-ce qu'un lycienne? Je sais pas du tout ce que c'est ça. Ça coûte cher en plus. Bon, on va plutôt aller en chercher un. Hein. Ils ont la classe certains. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait des chevaux. J'en ai vu un. Est-ce que c'était une quête? Je sais pas. Je ne sais pas. Donc là on va passer sur la première zone. Et je pense qu'on va pas faire une vidéo très longue parce que je suis pas super un ordi de fou. Et de deux, j'ai pas envie que le bleu te prenne 30 ans. Donc je vous passe le chargement. Et bon, alors, donc ça c'est la première zone, hein, vous voyez,
est assez vaste quand même sur la petite carte que je peux changer avec N. Alors c'est un jeu donc gratuit, hein, comme j'ai dit c'est free to play, enfin je vous le présente pour l'émission free to play. Donc vous voyez ça c'est les premiers monstres, hein, au début vous galérez, mais alors je sais pas, hein, mais on va tester. Voilà. En faisant mon attaque classique, je les bute. C'est... D'ailleurs c'est assez marrant parce que des fois vous êtes obligé de revenir parce que vous avez commencé des quêtes et vous avez le niveau, vous avez dépassé le niveau. Donc ça c'est normalement inoffensif, hein, ça dépend. Salut l'arbre. Et donc nous on va se diriger vers le bateau. Donc au début on commence en quelque sorte avec les pirates, on fait des quêtes pour la magie là-bas. Il se déclenche plusieurs trucs. C'est assez sympa. Je pense que le mieux c'est quand même de jouer avec ses potes parce que... Je l'aide ou pas? Voilà, je leur ai aidé. Elle doit m'en vouloir, tu sais. Si j'ai fait le coup de race, peut-être que je lui vole son loot. J'espère pas. Donc, je vais juste faire une mise au point au tout de l'argent. Donc, vous voyez, j'ai 4 GP, j'ai 54 SP, 77 CP. Donc, pour vous expliquer, 1 SP c'est égal à 99 CP, 1 GP égale à 89 SP. Donc, vous voyez que là, un MOA ça coûte 60 CP, c'est 1 SP. Hein. Voilà, et donc, un MOA. Donc j'ai un MOA hein, au hasard. Bon avec la manette je peux zoomer. Donc j'ai une attaque, enfin c'est le dash. Donc c'est pour faire un peu plus vite. Et on va se balader un petit peu donc dans la zone pour montrer. Alors le premier boss épique, enfin comme il les appelle, c'est une grenouille. Donc c'est là, j'ai pas réussi à la vaincre tout de suite. J'ai commencé, j'étais niveau 2, elle était niveau 6 je crois. Et elle avait énormément de vie je trouve. Et donc, elle avait détruit ce truc. Alors, c'est un certain moment d'histoire, je pense pas qu'elle réapparaisse. Non. Non, non. Par contre, il y a peut-être un espèce de boss avec une poutre que vous verrez ici. Voilà. Je vais prendre du loup. Vous voyez, hein, c'est une espèce de truc. Pour rester tout. Donc, c'est le premier boss réellement. Et voilà. Et vous rentrez là-dedans, vous reprendre plusieurs quêtes ici. Bon, la grenouille, je l'avais fait en équipe avec quelqu'un que je connaissais pas, enfin une unité de 3. Du coup, je l'avais buté. Donc, il y a des petits lapins, c'est génial. Alors, ici, vous aurez l'occasion, donc, c'est vers certains hôtels, donc, AU, hein, pas HO, pour l'écriture, donc, qui sont ceux-là, donc, de se transformer en Oméga, en méga guerrier de malade. Pour faire buter un peu tout le bordel, donc, avec un meilleur équipement que j'ai actuellement, je crois. Donc voilà. Vous l'avez pendant 5 minutes et faut rusher la quête en fait. Vous pouvez redemander si vous êtes mort. Donc, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est pas grave. On va quand même lire le livre qu'il m'a donné. Je sais toujours pas ce que c'est. J'aurais peut-être dû lire comme un livre. Hein? Du moins. Oh le con. Bon, c'était pitoyable fail. Donc on va il me reste une quête là-bas, une petite quête sympa, je pense. On va la faire et puis on va se laisser là-dessus. Je coupe parce que... Ah, quoique, non, ça va, c'est pas trop loin. On voit déjà le truc. Le bateau. Qui a réussi à scratcher sur la terre quand même, hein, assez fort. Donc voilà. J'ai hâte de voir les équipements qu'il y a après, hein, les épées, les trucs. Parce qu'en fait, quand vous faites personnage, il a déjà un skin de malade avec des armes de fou. Puis après, vous choisissez la tenue que vous voulez de base. Et puis après, c'est un truc tout pourri. Ouais, ça m'avait surpris. Au début, j'ai pas compris. J'ai dit, what the lol. Et du coup, ben voilà. Donc, elle est où la quête? On va la bouffer la quête. J'espère que vous vous plaindrez pas trop de la... Qu'est-ce que j'ai pour s'entraîner. Bon, j'en sais rien. Donc, ça c'est le premier forgeron. C'est le premier tout ici, en quelque sorte. C'est là que vous allez commencer. Donc j'espère que la fluidité vous dérange pas. Parce que il y en a pas beaucoup. Alors, on va de si... View of Detail... Donc je regarde jamais, hein, vu que c'est en anglais. Pas autre partie, hein, mais bon, c'est sympa. Donc, talk to the mirror to the fleet. Oh non, ah non, attendez, c'est pas ça. C'est laquelle que j'ai pris là?
Eliminate sea abuses. Ok, c'est là-bas. Alors à mon avis, c'est des espèces de... Est-ce que c'est les crabes? C'est ça? Non, shield crab, c'est pas ça. Alors je sais qu'il y a un boss ici aussi. La fin de la première zone. À mon avis, c'est des espèces de gros trucs. Non, tu fais... Ah non, c'est l'espèce de... Parce que... Ah, c'est ça. C'est l'espèce de... Le truc qui va mourir, d'ailleurs. Voilà. Rapide, efficace, pas cher, c'est Manimat. Ok, ça le faisait pas. Est-ce que c'est ça, alors? Oui, 1 sur 5, ok. Ok, bon, elle était vraiment trop facile cette quête. Je l'ai pas encore bouclée, mais je crois que c'est bien parti. Ouais, effectivement, c'est un peu résumé. Ouais. C'est pas grave, hein, c'était pour le déroulement d'une quête, on va dire. Voilà, j'ai fini. Non? Ah non, il reste. On va essayer de faire de l'attaque stylée. J'ai un peu raté tout à l'heure. Hein? Ça a du tout one shot? Ah bah oui, c'est mon lag. Bon, on n'y peut rien, hein. Allez, on a fini. C'était rapide. Vous voyez le bateau, qui est quand même la classe, hein, bien que... Est-ce que si on retourne l'écran, ça fait une tête de mort, le bateau? Là. Enfin, je vous montre avec le doigt, vous le voyez pas. Trollolol. Mais... On dirait un peu... Enfin, on aurait dit tout ça là. Je me pose des questions. Là. Attends, je suis juste nous en faire un là. Putain, si c'était aussi facile de ramasser des crabes. Parce que il y a moyen de glitch. Ah ouais, genre. Ça sert à rien, mais c'est marrant. Ouais, je suis le roi du monde, je vais me casser les genoux. Ah, moins 168 quand même. Il aime pas ça le bonhomme. Alors, on rentre la quête. Petit gros le même. Yeah. Your stamina is too low to use this skill. Quest completed. Ouais. Bon, ça m'a fait gagner 1%, c'est génial. Bon, c'est sûr, hein, 300 XP contre 4030 pour l'autre. On va se laisser là. On a mis battre des entités. Alors non, c'est un dégât. Et je prends des dégâts, moi. Je prends des dégâts, moi. Ok. Bon, on va finir là. Voilà, tac. Donc F, hein, pour ranger son arme. Alors attendez, est-ce que je peux faire un... Voilà. La classe comme ça, non? Bon, à plus, c'était Anonymat.